Et toi, dis-moi, c'est quoi ton intelligence principale? Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'intelligence, hein. Tu as l'intelligence académique, donc c'est celle, hein, qui est développée à l'école, donc c'est l'intelligence verbale linguistique, et puis l'intelligence logico-mathématique. Mais rassure-toi, il y a aussi d'autres types d'intelligence, hein. Tu as l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence corporelle kinesthésique, l'intelligence visuelle spatiale, tu as l'intelligence musicale également, l'intelligence existentialiste également. Donc en fait, si tu veux, tu n'as pas un seul type d'intelligence, tu as même l'intelligence naturaliste. Ok, et donc pourquoi je te parle de ça? C'est qu'en fait, si tu veux, tu as forcément une intelligence qui est plus développée que d'autres, qui est plus naturelle. Et donc, moi, je t'invite surtout à spéculer, on va dire, hein, sur cette intelligence-là, puisque c'est ça qui va te servir tout au long de ta vie, dans ton travail, dans ta vie privée. Donc, si tu fais un travail qui ne correspond pas forcément à ton intelligence principale, tu vas pas forcément te sentir épanoui, tu seras pas forcément le plus efficace dans ton travail, et puis à un moment donné, eh bien, t'en auras marre et t'auras envie de faire autre chose. Alors qu'au contraire, si ça correspond tout à fait à qui tu es, eh bien, ça sera plus simple pour toi. Moi, je sais que par exemple, j'ai une intelligence interpersonnelle, ça fait depuis longtemps que je suis toujours en relation avec d'autres personnes, au téléphone principalement, mais ça peut être aussi en face à face, parce que ça me correspond, ça fait partie de moi. Alors que même si je parle comme ça devant la caméra, je ne suis pas forcément très très bon en intelligence verbale linguistique. C'est pas mon intelligence principale. La deuxième intelligence que j'ai, c'est l'intelligence rythmique musicale. Et après, la troisième, c'est l'intelligence logico-mathématique. La quatrième, l'intelligence corporelle kinesthésique. Et c'est simplement la cinquième qui est mon intelligence verbale linguistique. Donc après, tu peux faire des tests sur Internet, hein, pour savoir c'est quoi ton intelligence principale. Mais après, je pense que tu peux le deviner assez aisément. Il faut simplement te renseigner sur les types d'intelligence. Donc par exemple, l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité de comprendre les autres, hein, de d'être en relation avec eux, de pouvoir même comprendre les intentions cachées des autres. Au contraire, l'intelligence intrapersonnelle, c'est celle qui consiste à se comprendre soi-même, à réfléchir sur soi-même. L'intelligence corporelle kinesthésique, c'est tout ce qui est en mouvement, donc quand tu veux faire un métier manuel par exemple. L'intelligence visuelle spatiale, c'est si t'es bon par exemple dans la cartographie, pour te situer dans l'espace, etc. Donc à toi de voir ce qui te correspond le mieux et ce dans quoi tu es le plus le mieux armé.